avec Coquard qui s'enfonce ici, qui va peut-être redonner immédiatement. Il préfère Couffrant. Là, et oui, Couffrant et but de Martins, je vous l'annonce. Superbe image, la Petzella Blind. Il s'est au départ de l'affaire, Blind, il est foudrage quand lui siffle Couffrant. Et il y avait Couffrant, hein, parce que c'est vrai que le gazon se dérobe un peu sous Coquard, mais il y a une raison à cela. C'était le pied de Blind qui l'avait déséquilibré. Et puis dans une deuxième phase, ben Blind finalement bon, s'est calmé. En tout cas, il a sympathisé avec l'arbitre. Tout se passe bien. Et Coquard fait un sacré match. Michel. Oui. Est-ce que ce serait le genre de garçon qui aurait besoin un peu de faire des déclarations et de se motiver de cette manière-là pour faire un grand match? Pas forcément, non, je crois que c'est pas les paroles qui comptent, c'est ce qu'on fait sur un terrain, et en fonction de ce qu'on fait sur un terrain, on peut éventuellement parler. Attention à Martins, c'est ce coup franc, et but de Corentin Martins, ce superbe coup franc enveloppé qui a laissé Menzo complètement figé sur sa ligne. But donc de Martins, deuxième but en Coupe de l'UEFA, deux en championnat, deux passes décisives. Superbe saison que fait l'ancien Brestois. Alors superbe coup franc, regardez bien, le ballon est bien enveloppé. Menzo ne bouge pas et le ballon va directement dans la lucarne, et on peut voir que c'est un magnifique coup franc annoncé. Il faut avoir confiance, hein. Il faut avoir confiance au joueur. Pourtant il n'en a pas marqué quand même des centaines pour l'instant, des coups francs. Par contre sa qualité de frappe, elle est reconnue. Elle est reconnue, sa qualité technique est reconnue, et on passe de 1-0 avec une équipe moribonde de la Géoxère à 2-1.